Les passagers du vol Air Lolita sont priés de s'asseoir, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Vous me connaissez, je suis Marie, ou Zwifi, ou Yulia, on s'en fout. Je suis dans la mode Lolita depuis trop longtemps, c'est-à-dire 2004, et je vais ouvrir cette petite conférence. Sachez que vous aurez le droit de me poser des questions pendant les minutes où je vais faire juste... En fait, je me disais que ça pouvait être sympa de faire une petite conférence, un petit récapitulatif de tout ce qui a été le Lolita. Je pense que ce serait intéressant et je pense que beaucoup d'entre vous apprendraient pas mal de choses sur les débuts du Lolita. Notamment, par exemple, est-ce que vous savez quand est né le Lolita ? Vous avez une question ? 1979-1980. Eh bien non, en fait, les années 79 et 80, c'est l'arrivée du kawaii dans les vêtements. Le Lolita en lui-même, c'est les années 90. Et est-ce que vous savez qui a créé le Lolita, exactement ? Il y a un nom à Dormi dehors, mais c'est le monsieur dont a inspiré le film Kamikaze Girl. Non. Ah ! Raté ! C'est très simple, hein. C'est très simple. Bah, les... Non. Non, Mana, lui, il a pris le train de la hype et puis voilà, c'est tout. Hein. Non, en fait, ce sont les Lolitas elles-mêmes. Les Lolitas, en fait, dans le quartier de Harajuku, je ne vais pas vous présenter ce que c'est et où c'est, ont apprécié l'esthétique notamment de la Rose de Versailles, Lady Oscar, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent ici. Et les vêtements leur plaisaient, sauf qu'en fait, bah, comment trouver des vêtements comme ça tous les jours et comment, enfin, où les acheter? Sauf qu'on ne pouvait pas au début, on ne pouvait pas. Donc en fait, il faut savoir qu'au Japon, surtout dans les années, enfin, moins maintenant, mais en fait, il y a des cours d'art ménager. Donc, pour les filles, il y avait de la couture et de la cuisine. Et en fait, toutes les japonaises avaient un minimum de skill en couture. Donc, elles ont créé leurs propres vêtements et ça a fait un effet papillon. Certaines sont allées à Harajuku, certaines ont vu ces filles, ont voulu faire la même chose, effet boule de neige, et ça a donné le Lolita qu'on connaît aujourd'hui. Alors, autre question, est-ce que vous savez ce que c'était une tenue Lolita au début ? Ça pique. Ce qu'on considérait aujourd'hui comme du... Alors, je vais demander plus précisément le descriptif d'une tenue. Peut-être proche du côté. Et ça, c'est pas les débuts. Ça, c'est les années début 2000. Alors, en fait, très simplement, et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo sur Lolita Fashion History Channel, vous avez une jupe, parce que la jupe est l'élément le plus simple à faire. C'est très simple, hein, trois carrés, voilà, vous avez une jupe. Hein, peut-être la ceinture est un peu plus dure, mais c'est tout. Donc en fait, les Japonaises faisaient leur jupe elles-mêmes. Et souvent, elles portaient une petite chemise, parce que là-bas, il y avait beaucoup, et encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de chemises à col rond, avec un petit cardigan. Et en termes de chaussures, des plateformes, qu'on connaît tous, et des chaussettes de sport. Des chaussettes blanches de sport qui montent mi-cuisse. Mi-genou, pardon. En coton blanc, là ? Ouais, ah ouais, les trucs que tu peux acheter chez Action, ouais, c'est ça. Ouais. Et en termes de coiffure, on était souvent sur des cheveux détachés, des cheveux détachés, ensuite des tresses, beaucoup de tresses, et c'était ça, Lolita, au début. C'était une tenue, somme toute, qu'on considérait aujourd'hui comme très confortable. Mmh. Ensuite, au début des années 2000, alors, il y a Baby qui est arrivé dans les années 90, il y a Métamorphose qui a suivi de très près. Puis, il y a moi-même Moitié qui, en fait, a créé, et c'est lui qui l'a créé pour le coup, le gothique Lolita. Là, pour le coup, c'est lui qui l'a créé parce que, en fait, c'était des couleurs très roses. Il y avait du noir parfois, mais en fait,
il a amené la version gothique du Lolita. Et ça donne aujourd'hui toutes les variations que l'on connaît. Et c'est dans les années 2000 que le Lolita s'est vraiment défini. C'était vraiment des balbutiements dans les années 90. Et dans les années 2000, s'est créé le Lolita. Alors, je pense que maintenant, début des années 2000, vous savez ce qu'est une tenue Lolita. Vous l'avez dit tout à l'heure, de la Rachel Lace. C'était beaucoup d'imprimés tapisserie. Je pense qu'avec les murs, on pourrait faire une robe Lolita des années 2000. Et bah oui, beaucoup de dentelles, des petites capelines, beaucoup de choses comme ça. Et le premier style Lolita à être connu hors Japon. Est-ce que vous savez lequel c'est ? Le sous-style. Le style Lolita, vous savez, classique, sweet, gothique, country, etc. C'est l'art peut-être ? Ça rappelait les uniformes. C'était le gothique. C'est le gothique Lolita. En fait, dans les années... En 2003-2004, les fruits, les magazines fruits qu'on connaît, ont commencé à être commercialisés en France. Et on voyait des tenues de Lolita, et notamment de gothique Lolita. Et comme la culture du gothique est quand même très implantée en Europe depuis un petit temps maintenant, c'est ce qui a plu au départ. Et en fait, après, les Lolita européennes, et enfin occidentales de manière générale, se sont intéressées au sweet Lolita et tous les autres sous-styles qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on va me dire, comment on est passé du gothique au sweet ? Merci Angélique Préti. Voilà. En fait, voilà, c'est tout simplement, c'est le gothique qui a été très connu au départ. Ensuite, les Lolitas se sont rendus compte qu'il y avait d'autres couleurs, d'autres variations, qu'on pouvait faire autre chose. Et en fait, on se rend compte que même si on aime le noir, même si on aime le rose, et le Lolita nous permet de mixer tout ça. Parce que c'est la culture du gothique en Europe à la base. Et en fait, vous aimez le gothique, mais vous aimez aussi le rose. Mais le Lolita vous permet de faire ça. Et en fait, ça, pour beaucoup de personnes, ça a amené la possibilité de mixer toutes les passions et les centres d'intérêt qu'on a dans la mode. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment attribuer aux marques ? Donc on voit que Mana, c'est vraiment le gothique, Lolita, mais les autres marques, est-ce qu'on peut vraiment dire sans eux, ça n'existerait peut-être pas ? Angélique Préti, oui. Ouais. Et mes Baby aussi. Métamorphose, comme je le dis souvent, AP, c'est l'enfant pourri gâté. Métamorphose, c'est... Non. Baby, c'est l'enfant un peu basique, voilà, qu'on l'aime tous, c'est basique, c'est un classique. Moi-même, moitié, c'est l'adolescent qui va te dire non, c'est pas une phase, maman. Et métamorphose, c'est l'enfant un peu bizarre, mais qu'on aime quand même, finalement. Voilà. Et aujourd'hui, ce serait quoi tes pronostics sur les marques ? Parce que là, on a beaucoup de changements. On pensait que le sweet, c'était mort, et c'est revenu. Le old school, c'est pareil, on ne s'y attendait pas forcément à ce retour. Est-ce que tu penses qu'on peut se dire des tendances ? Est-ce que le Lolita n'est pas un éternel recommencement ? Si. Ça, je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. En fait, c'est une mode comme une autre, donc c'est un éternel recommencement. Ça s'est même vérifié cette année et l'année dernière avec le retour du old school. Par exemple, les vieilles collections AP, maintenant, il y a encore 4 ans, il y avait des robes qui se vendaient pour 80 euros et qui maintenant partent à 400 euros. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant avec le Lolita aussi, c'est difficile de faire des pronostics. C'est très difficile. Et bah, c'est quoi la prochaine tendance ? Je sais pas. Ah, tu... Non, je vais pas aller là-dedans parce que j'ai pas envie de m'humilier en public. Après, est-ce que pour toi, tu penses qu'actuellement, nous sommes dans une version européenne du Lolita ? Parce que là, avec l'émergence des modes Lolita qu'on a, qui sont ici présents,
on peut dire que le Lolita c'est européanisé. Ouais. Donc franchement, je pense en fait là il y a une culture Lolita européenne qui commence à émerger et qui prend, on va dire, un différent virage de la culture Lolita japonaise. Question très intéressante. Et la réponse est oui, et je dirais pas européanisée de manière mais carrément occidentalisée. Quand je dis Occident, c'est vraiment l'Amérique de manière générale, parce qu'il y a de très belles communautés en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il y a une très grosse communauté en Europe, en Espagne, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Scandinavie, il y a une grosse communauté. Et en effet, les marques maintenant, même les marques japonaises, se calquent sur le marché occidental. Parce que, en fait, comment dire, tout simplement, maintenant, c'est nous qui faisons la tendance, c'est nous qui faisons c'est nous qui achetons principalement le Lolita au Japon. Est beaucoup moins présent. Il y a beaucoup de Lolita encore, mais en fait, elles fuient les touristes. Elles sont plus à Harajuku, elles sont plus du tout là-bas, et elles continuent à acheter, mais maintenant, elles portent beaucoup chez elles ou en très petit comité. Donc, en fait, tu as raison, oui, c'est nous qui faisons... le Lolita est maintenant occidental. C'est nous qui faisons la mode Lolita. Moi, ma vision des choses, c'est surtout qu'en fait, on est en train de tous s'éveiller sur des chemins parallèles. Parce que quand tu vois la mode américaine Lolita, n'a pas du tout les mêmes influences que nous, la mode Lolita européenne. Et que la mode japonaise, pareil. En fait, on est tous en train de bifurquer et avoir en fait tous nos propres inspirations. Et c'est ça qui est intéressant dans la culture Lolita, c'est qu'on évolue tous et on a tous nos inspirations. On voit très bien avec Violette Femme, avec l'inspiration Cottage Core, qui est en train d'exploser. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour du suite, mais décora, limite, mais décora. Mais en fait, c'est assez impressionnant, en fait, l'évolution parallèle qu'on a tous dans le monde entier. Et c'est vraiment l'histoire. En fait, on ne peut plus maintenant qualifier en histoire Lolita parce qu'il y a une évolution interdépendante. Si, il y a une histoire Lolita, mais elle est étendue. Elle est étendue maintenant. Elle va partout, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant. C'est de voir qu'en fait, ce n'est plus une belle histoire japonaise. C'est une belle histoire mondiale, en fait. Et c'est ça qui le rend encore plus intéressant. Et oui, en effet, on bifurque tous vers des tendances. En effet, même en France et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, par exemple, on va avoir une communauté plus classical. Ouais. En France, on va être sur soit du très sweet, soit du gothique. Moi, après, c'est nous, dans l'Est de la France, on est vraiment dans une catégorie, on va dire, assez spéciale. On est vraiment un mélange de tout. Oui, mais dans l'Est, vous êtes différents. oui, ça en fait assez souvent. Mais ce que je trouve, en fait, en France, qui est notre culture, on le voit très bien ici, c'est qu'en fait, chacun, en France, on n'a pas une grosse influence, on va dire. On a chacun notre style. Quand on voit Yumi, qui est entièrement en élégant gothique Lolita, toi, qui es en classical. Moi, je ne sais pas. Je suis honnête, je ne sais pas. À la limite du cottagecore, il te manque un tablier, c'est bon. Mais moi, j'ai l'impression, par contre, qu'il y a un nouveau style qui est né unique. Enfin, j'ai l'impression que ça part de l'Europe. Je sais pas, parce que peut-être c'est le confinement, donc on est moins allé au Japon, donc on se rend moins compte. Mais j'ai l'impression que ce style, la cottagecore, qui est venu dans les tissus, même dans la façon de reporter des tabliers, mais pas version country, c'est vraiment un truc qui est né en Europe, enfin qui... Et alors, les Américains aussi l'ont un peu, ouais. Le cottagecore, exactement, je sais pas, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas seulement dans le Lolita. Oui. Liz Lisa, par exemple, que je connais puisque j'ai vendu du Liz Lisa, ils sont à fond dans le cottagecore. Ouais. Et je sais de sources sûres que le patron, il veut pas être dans le Lolita. Donc en fait, c'est une tendance dans la mode de manière générale qui s'étend au Lolita, tout simplement. Mais oui, ce que je voulais dire, du coup, c'est que en effet, la mode Lolita bifurque dans tous les sens.
Et ce qui est beau, c'est qu'on a plein de marques. Maintenant, on n'a plus seulement les marques japonaises. Mais les marques japonaises essaient de répondre à la demande. On l'a vu avec Métamorphose. Métamorphose qui s'est vraiment améliorée et qui maintenant propose des robes. Je ne sais pas si vous avez vu, je fais leur publicité. Métamorphose propose maintenant du plus size. C'est encore plus grand. Si j'ai acheté la première plus 16, il y a un mois de janvier. Mais c'était une plus. Mais ça fait pas. Mais maintenant, il y a plus. Non, plus. Il y a plus. Déjà depuis un an. Ah, pas depuis un an. Pas janvier, depuis un an, mais depuis quelques mois, ouais. Ça fait pas un an. Non, alors. Mais par contre, t'as pas intérêt plus 16 au Japon. Parce que tu ne peux acheter que si tu émets une adresse en livraison. International. Oui, parce qu'en fait, si tu regardes, oui, c'est tu peux pas acheter si t'es au Japon. Voilà, donc c'est pour nous tant mieux, mais j'imagine les deux pauvres Lolita plus size du Japon, tu dois vraiment avoir les boules. Alors ça, c'est un problème de société japonaise sur lequel je m'étendrai pas, je connais un peu le sujet, mais je souhaite pas vraiment parler en conférence Lolita de l'anorexie au Japon et des problèmes de TCA, tu vois, par exemple. Alors, maintenant, si vous avez d'autres questions, Joël, Yumi, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions. On parlera bien assez à nous. Oui. Après, qu'est-ce que tu penses de l'évolution là, que Angelique Petit donne en mélangeant le style pin-up et Lolita? Attention. Oui, je me permets parce que je suis pin-up. Non, attention, je suis en pétard contre AP. Voilà. Parce que AP, j'ai des choses à dire. AP en fait cette année ce sera ma dernière réponse du coup. AP ils ont très très mal géré leur communication, depuis le début, mais bon bref, ils ont très mal géré leur stock. Bon, la Covid aide pas, on va pas se leurrer, mais ils ont très mal géré et en fait ils ont mal géré les stocks, ils ont mal géré la demande et ils se sont pas rendu compte qu'il y avait une demande énorme sur leur marque et ils ont continué à faire en fonction des usines qu'ils ont aux Philippines, Myanmar et en Chine. Donc en fait, oui, ils ont très mal géré. Mais concernant l'évolution, ils ont compris que la clientèle AP reste une clientèle fidèle, mais une clientèle qui vieillit, une clientèle qui évolue, une clientèle qui change de style. Une clientèle qui a compris que le Lolita, la seule chose qu'on veut faire en fin de journée, c'est brûler notre jupon. Voilà. Qui fait qu'on a envie de brûler le jupon, les chaussures, parce que c'est pas confortable. Ils ont compris ça. Et je pense que c'est pas si mal qu'ils fassent autre chose. C'est pas mal, en fait. On peut pas leur dire... restez dans le Lolita. Ils ont compris que le Lolita va s'essouffler au Japon. Et en fait, AP principalement, les autres marques non, mais AP c'est beaucoup ça. AP se calque sur le marché japonais quasi exclusivement. Ils regardent les tendances au Japon uniquement. Pas Métamorphose. Moi-même, moitié maintenant, c'est quand même beaucoup à l'international, je pense. C'est USA. Ouais. C'est les Américaines qui font moitié. C'est plus le Japon. Hein. C'est plus le Japon. Tu m'as perturbée. Je sais plus ce que j'allais dire. Les chaussures, oui, on a envie de les brûler, c'est tout ce que je voulais dire. Mes chaussons, oui, j'ai mal au dos. Ah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie pour vos questions. J'espère de ne pas vous avoir endormi. Et maintenant, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, je vais vous faire une petite intervention sur les réseaux sociaux et le Lolita. Alors, au cas où il y a des personnes qui ne me connaissent pas, j'ai fait une présentation toute rapide. Donc, j'ai 32 ans, je m'appelle Yumi, je suis dans le Lolita depuis une quinzaine d'années et je suis passionnée de la mode depuis toujours. On peut passer au slide suivant, parce que vous me connaissez déjà. C'est le moment où je sors mon titre ronflant, je suis ambassadrice Lolita. Et quand on me demande « mais à quoi ça sert ?», je dis souvent « grâce à ça, j'ai fait des événements ». Et surtout, ça m'a donné une grande motivation, une grande confiance en moi pour être active sur les réseaux, dont
Voilà pourquoi je vous parlais des réseaux. Donc, sur les réseaux, vous me connaissez avec le pseudonyme Art du Noir. Et voilà un peu mon historique. Donc, j'ai commencé afficher au monde entier ma passion pour Lolita en 2008 avec un YouTube et un blog. C'était un Skyrock. Voilà. Voilà. Alors, qui d'autre a eu un Skyblog? Levez la main. Ouais, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Ah oui, j'ai eu un MySpace, j'ai oublié de le mettre dans ma présentation, c'est vrai. J'ai eu un MySpace. J'étais membre très active des forums. Grosse dédicace au boudoir des Lolita, je ne sais pas si quelqu'un était sur ce forum-là. Moi hein, où j'ai fini modo même, attention, hein, tellement active. Ensuite, j'ai eu ma petite phase lookbook, mais alors là, cette plateforme-là est complètement passée inaperçue. Sauf que elle existait encore sur Google, hein, donc des fois on me trouve dessus. Et puis ensuite, en 2012, je me suis dit, allez, je vais me faire mon propre site. Donc j'avais mon propre site, mon propre domaine. Vous ne pouvez pas le trouver, je l'ai arrêté. Et après, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me lance sur Facebook. Donc c'était pareil, année 2011. Mais j'ai jamais vraiment trop accroché, donc ne me cherchez pas sur Facebook. J'ai un compte, mais il est presque fantôme. Et finalement, actuellement, je suis surtout très active sur Instagram et j'ai décidé au mois de janvier de reprendre en main ma chaîne YouTube, commencée en 2008. Et je fais un point du coup sur la conférence que présentera Joëlle après, puisqu'elle parlera plus particulièrement de YouTube. Et faites comme moi, prenez des notes. Donc, je vais commencer par parler des réseaux sociaux. J'ai prévu, pour faire cette petite conférence, de vous laisser du temps pour intervenir. Et déjà de base, sur Instagram, j'avais fait des sondages pour qu'un maximum de gens interviennent. Donc l'idée, c'est que sur Instagram, je fais une fois par mois des live débats où tout le monde peut participer, enfin un maximum de personnes participent autour d'une question. Et là, j'ai repris le même principe et j'ai organisé les réponses. Donc je vous dis en quatre temps, on parlera des réseaux sociaux. Donc sur le commencement du Lolita, on va commencer par le commencement. Ensuite, on parlera de l'évolution de notre utilisation des réseaux sociaux, mais surtout les bons côtés. Après, on fera la face cachée, les mauvais côtés, hein, parce que tout n'est pas rose, hein, c'est pas un monde de bisounours. Et puis, je ferai une petite conclusion en essayant de parler un petit peu de l'avenir. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, pour commencer, les réseaux sociaux, quand on commence dans Lolita. Donc, je vous montre un peu voilà, le genre de sondage que je fais sur Instagram. Les gens peuvent voter. Voilà la capture d'écran des résultats. Donc, il y a une cinquantaine de personnes qui ont participé, dont certains qui sont ici. Merci. Et comme à chaque fois, c'est ça que j'adore quand je fais les sondages, c'est que souvent, je suis surprise des réponses. Parce que j'ai des a priori, parfois. Je ne pensais pas que ça allait être aussi équilibré, dans le sens où on a comme ex aequo, j'ai découvert le Lolita en partie grâce aux réseaux sociaux, et j'ai découvert le Lolita pas du tout grâce aux réseaux sociaux. Je ne pensais pas que ça serait ex aequo. Et juste un petit peu moins de personnes qui ont dit j'ai découvert le Lolita grâce, complètement. Alors, ce n'est pas forcément représentatif. Hein. On va dire que c'est un paysage à l'instant T des Lolita qui ont participé au sondage. Moi, ce que je trouve qui est sympa, c'est que parmi ces gens-là, c'est varié. Donc, c'est intéressant, mais c'est pas forcément... on peut pas en tirer vraiment de conclusion. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'était la question d'après, à savoir, du coup, si vous avez découvert le Lolita grâce aux réseaux sociaux, quels étaient ces réseaux sociaux? Et j'ai demandé les dates. Alors là, c'est le moment nostalgie. Il y a beaucoup de personnes, donc je vais répondre un peu par ordre chronologique. Pour les personnes qui ont connu le Lolita plutôt au début des années 2000, on a beaucoup de personnes qui citent les forums, dont Gothic Lolita Jeune, qui a été plusieurs fois cité, qui était, je pense que vous connaissez le principe des forums, qui était à la fois un espace virtuel de rencontres et de renseignements, parce qu'il y avait beaucoup de topics pour se renseigner sur le Lolita, mais aussi un moyen à l'époque pour organiser des meetings réels. Parce qu'on n'était pas très nombreux à être dans le Lolita à ce moment-là, et on n'était pas nécessairement voisins. Donc, les forums ont beaucoup marqué les Lolitas du début des années 2000, tout comme les Skyrock. Mais ça me fait rire, parce que c'est un peu honteux, parce que, quand même, il faut le dire, c'était pas du tout fiable, les Skyrock. Les gens racontaient tout et n'importe quoi. Si aujourd'hui vous faites des recherches sur Lolita, n'allez pas sur Skyrock, s'il vous plaît, parce qu'on va y un peu...
tout et n'importe quoi. Mais par contre, ce qui avait bien, c'est qu'il y avait aussi les débuts des blogs personnels où on pouvait rencontrer des Lolitas qui partageaient leur expérience et qui expliquaient, voilà moi comment je le porte, voilà moi comment je fais. Je rappelle qu'à l'époque, c'était quand même très difficile d'acheter du Lolita en France. Donc, il y avait les Lolitas qui disaient, bah voilà, bah moi j'ai cousu une jupe, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, c'était le côté blog, je pense, qui était intéressant et une manière de voir que le Lolita n'est pas qu'au Japon. Parce qu'au début des années 2000, on pouvait un peu se poser la question. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'en France ? On se demandait un peu. Ensuite, quand on passe vers les années 2005, on a eu Live Journal, qui a marqué beaucoup de personnes, qui était international, c'était un avantage. Et il y avait aussi les ventes sur Live Journal. Mais il fallait s'y connaître en HTML, hein, parce que sinon on se faisait recaler direct. Je vois la grimace de Lynn. Mais j'ai jamais rien compris. Live Journal, c'était complexe, mais c'était le premier pas vers le Lolita international. Et ça, c'était pas mal. Ensuite, alors en parallèle, hein, depuis les années 2000 et encore jusqu'à maintenant, il y a toujours eu YouTube. Et puis après, ben, Facebook a quand même beaucoup marqué les gens au niveau des années 2010, 2017, notamment... ça, je pense qu'en 2010, quand Facebook est arrivé, ça a vraiment tué les forums. On a arrêté d'aller sur les forums. On a mis en place les groupes et on a fait des événements sur Facebook. Donc les forums n'avaient plus d'utilité. Et puis maintenant, plus moderne, Instagram. Donc voilà. Moi, je trouve que pour le côté international, Instagram bat un petit peu tout. C'est un peu une galerie photo mondiale. C'est un peu le Fritz de maintenant, en fait, hein, comme le magazine. Et donc... je me suis dit, les réseaux sociaux ont changé, donc nécessairement, le Lolita a dû changer aussi. Donc j'ai essayé de me demander pourquoi. Et je me suis demandé, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont pu apporter au Lolita, comment ils ont influencé, quel est le lien, et comment on les utilise, pourquoi on les utilise. Je me pose toujours beaucoup de questions, je passe souvent les réponses, je vous le dis, hein, mais on va essayer de trouver. Donc, je vous avais sollicité, je dis vous, mais les personnes qui ont répondu, je vous avais sollicité pour parler des bons côtés des réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire deux grandes catégories. C'est-à-dire que pour l'évolution du Lolita, les réseaux sociaux ont eu un impact à la fois sur l'esthétique du Lolita, plus ou moins consciemment, et évidemment un impact social, puisque ça s'appelle réseaux sociaux. Donc j'ai rassemblé les réponses et je vais commencer par l'impact social. Je pense que ce qui nous fait utiliser les réseaux sociaux à l'époque et encore maintenant, c'est l'idée de rompre la distance. Quand on a commencé dans le Lolita, surtout quand c'est début des années 2000, qu'il n'y avait pas encore Baby à Paris, ni les autres magasins, j'ai pas forcément tous les noms en tête, sans Internet, c'est très compliqué de savoir ce que c'est que le Lolita quand on est française, parce qu'il n'y en a pas forcément qui se baladent dans la rue. Donc, très souvent, c'est par le biais des réseaux sociaux, des blogs et des sites qu'on a pu découvrir ce qu'était la mode Lolita. Ça, c'est vraiment à l'origine. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de communauté locale, qui se sentent isolées et qui disent « moi, ma communauté, c'est celle qui est sur les réseaux sociaux ». Et même, je crois qu'avec le confinement, on a pris conscience que le Lolita, c'est aussi mondial. Et avec toutes ces petites parties en ligne... qu'il y a eu organisé par soit des personnes, soit par des marques, on a vraiment rompu le lien géographique grâce au réseau. Deuxième élément, donc plus au-delà de l'idée de juste rompre les réseaux sociaux, rompre les réseaux sociaux, lapsus. Au-delà de rompre la distance géographique, il y a l'idée de dynamiser la communauté, et je crois qu'on le voit aujourd'hui, la communauté locale, c'est une chance que tout le monde n'a pas, et donc avec les réseaux sociaux, on peut faire des événements, on peut faire vivre en fait le Lolita. Quand on commence dans le Lolita, je pense pas que ce soit facile de se dire « je connais pas de Lolita, mais c'est pas grave, je le vis pour moi ». Au début, quand on commence, on aime bien se dire « j'aimerais bien au moins trouver une personne qui me comprend et qui m'aide ». Et ça, du coup, si avec les réseaux, on utilise... ce petit filon de bienveillance et d'entraide, eh ben forcément, ça fait que la communauté est plus active et qu'elle continue à grossir. Ça dynamise énormément la communauté. Et ça aide, par exemple, à se rencontrer dans différentes villes, dans différents pays. Donc, ça a quand même un impact assez fort. Et ça, je fais un lien avec ce qu'a dit Marie, anti-party, même quand les marques japonaises viennent anti-party, que ce soit en Europe ou aux États-Unis,
déjà là, elle regarde comment les clients, comment les personnes qui sont là portent le Lolita, et ça peut influencer l'esthétique. Et du coup, je passe à ma deuxième partie, comment les réseaux sociaux peuvent influencer l'esthétique Lolita. Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je suis sur les réseaux pour suivre les nouveautés des marques, pour voir tout ce qui va sortir, pour découvrir des nouvelles marques, pour découvrir des nouvelles façons de porter telle ou telle robe. » C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas forcément les marques qui mènent la danse avec leur site internet. Maintenant, parfois, ça va être le snap de quelqu'un qui porte une robe, qui va avoir plus d'influence. Maintenant, on ne va pas acheter dans les boutiques qu'on connaît, on va acheter parce qu'on a eu un coup de cœur sur une photo et on se dit « Ah tiens, ça c'est quelle marque ?» Hop, je suis le hashtag, je découvre la marque, j'achète. Donc, ça a forcément un lien sur la manière de porter le Lolita puisqu'on ne va pas seulement dans la boutique qui est dans notre ville. Donc, ça influence et je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien, les Lolita ne portent pas que ce que les marques leur proposent, elles portent aussi ce qu'elles ont envie, elles cherchent un peu plus ce qu'elles ont envie parce que c'est possible de réagir comme ça. Et donc dernière partie, c'est la partie trouver l'inspiration. Je crois que avant tout on est tous passionnés de ces magnifiques vêtements, de ce qu'ils nous procurent comme émotion, comme image, comme rêve. Et donc les réseaux sociaux ont ce bel avantage de mettre en avant la passion de chacun, l'esthétique de chacun, et de tout le temps cultiver notre inspiration. Et je pense que pour le coup, ça c'est vraiment le plus gros des bons côtés, et c'est ce que souvent les personnes ont le plus cité, c'est l'idée de toujours rester inspiré, et c'est pour ça qu'on regarde les tenues des autres. Mais maintenant, je vais vous parler des mauvais côtés. Parce qu'il y en a quand même, même si je suis un bisounours dans l'âme et j'aimerais qu'il n'y en ait pas, il y en a quand même. Donc je me suis posé la question, enfin je vous ai posé la question, quels sont les aspects les plus négatifs, quelles sont les choses qu'on peut regretter. Bon, il n'y a pas énormément de choses qui ont été citées, heureusement, mais il y en a. Alors, avec les réseaux sociaux, le fameux problème, notamment en France, du hashtag Lolita, du nom Lolita, parce que bah, bon, déjà on a vu récemment le hashtag Lolita banni de plusieurs sites, les quiproquos au cours du nom Lolita, ça, voilà, moi il y a même des personnes qui me disent mais pourquoi vous changez pas le nom, je suis qui pour changer le nom, je vais pas changer le nom, hein, mais c'est vrai que ce nom là, plus particulièrement dans la culture occidentale, il est un peu compliqué à porter, et bah, voilà, sur les réseaux, j'ose pas imaginer ce que certaines personnes peuvent trouver en tapant juste Lolita. Ça c'est le problème, parce qu'il y a une énorme, il y a un problème de référencement hashtag avec le mot Lolita, et puis il y a énormément de bêtises qui sont dites aussi sur Internet. Donc ça, c'est embêtant. Autre chose, ouais, tu vas réagir, Guillaume, vas-y. C'est imaginer ce qu'on peut trouver en tapant le mot Lolita, mais aussi en imaginant ce que certaines personnes qui viennent sur nos photos étaient occupées à chercher. Ah bah oui, aussi. Oui, mais tout à fait. Ouais, c'est aussi ça. Alors. Oui, vas-y. Du coup, en fait, moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que, bah, t'as raison, on est qui pour changer le mot Lolita ? Donc, ce que je fais, c'est que je ne dis pas, je sais pas si vous avez remarqué, je dis pas Lolita généralement, je dis la mode Lolita. Et en fait, même faire un hashtag Lolita Fashion, eh bah, ça change tout. Ça change tout et de plus en plus de gens utilisent. Donc, en fait, en impliquant que c'est une mode, là, les gens comprennent. On devrait faire ce hashtag en français, on devrait faire hashtag mode Lolita, parce que... Pourquoi pas ? Parce que, pour le coup, ce serait pas mal pour s'identifier entre francophones. Moi, je suis assez attachée à l'idée qu'on garde des mots francophones, parce que de toujours aller chercher, mais j'avais jamais pensé... Ah oui, franco-français, ouais, hein, voilà. Ouais. Mais je trouve ça, c'est important, parce qu'il y a plein de gens... Enfin, moi, j'ai pas ce problème, je peux buter plein de trucs en anglais, j'aurais pas de soucis, mais je vois qu'il y a plein de petites jeunes qui débutent, et qui n'ont pas le mot en français, parce qu'on ne l'a pas créé, mais on devrait créer. Je demande à ce que tout le monde crée le hashtag mode Lolita. Et qu'on l'utilise. Ouais, ouais. On le fait maintenant. Voilà. Voilà. Maintenant, on s'y engage. L'imagine, c'est que bah, nous, on est des mamies maintenant. Ouais. Mais on, vu qu'on racle, on va dire Luxembourg, Belgique, Suisse, en fait, le souci, c'est qu'on doit garder un international. Oui, oui, vous, ouais. Et c'est assez compliqué, parce que ce qui est bien, c'est que c'est francisé, mais est-ce que ça va être vraiment suivi partout dans le monde ? Mais au moins que les Français le fassent un peu, parce que je trouve que ça aiderait peut-être les plus jeunes à peut-être trouver plus facilement des infos sur Lolita. Parce qu'il y en a plein, ils n'ont pas l'idée de taper Lolita Fashion. Et là, c'est
peut-être que mode Lolita. Oui. Alors on va créer le hashtag mode Lolita pour faire plaisir à Carole. Après, on peut lancer c'est simple, un groupe de personnes peut lancer un hashtag et ça va être repris avec les influences comme Et aller sur 4chan et alors là mais qui va en fait moi il faut pas pour un popcorn je reprends un autre aspect négatif, ça va bien avec le lien avec 4chan. Donc les haters, donc je me sens pas légitime de parler de ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui apparemment tient énormément à cœur à beaucoup de personnes qui me disent « Moi, j'aime bien partager mes photos de tenue, mais je veux pas me faire insulter, je veux pas que les haters viennent me voir. » ça m'attriste énormément d'entendre ça, mais je pense que pour le coup, ça n'a pas vraiment de lien direct avec la mode Lolita, c'est plutôt le revers de la médaille des réseaux sociaux de manière générale. Voilà, donc ça c'est réellement un problème, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est lié au Lolita. Sinon, un autre problème, c'est ce que j'ai appelé le poids du worldwide. Il y a certaines personnes qui me disent c'est super une communauté internationale, mais poster sur les réseaux, quand on était sur un petit forum à 20, poster sa tenue pour demander des avis, ok, on passe le pas, on le fait. Mais poster sa tenue en se disant qu'il y a 500 personnes qui risquent de commenter, moi j'ose pas montrer ma tenue. Et c'est vrai que certaines personnes se sentent écrasées par le poids de « oui mais elle, de toute façon, elle porte cette robe forcément mieux que moi, et puis elle, t'as vu le nombre de followers qu'elle a, et puis machin ». Et il y a des personnes qui, au contraire, ont très peur de l'effet réseaux sociaux, l'effet tout de suite international, l'effet « il y a trop de monde ». La comparaison peut être mal vécue parce que c'est pas donné à tout le monde de se dire allez j'ai assez confiance pour montrer mes photos sur les réseaux et me dire oh hop je m'en fiche moi de ce que vous en pensez. Donc c'est un des mauvais côtés. On se sent pas en petit comité comme sur le petit forum du début où il y avait 30 personnes connectées. C'est plus vraiment la même chose de poster sur les réseaux quand c'est international. Je crois que c'est le seul... Il y a une dernière chose, un dernier problème, là encore vraiment lié aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que plus de réseaux, mais est-ce qu'on communique plus? Question. Bon, ma réponse c'est plutôt non, parce que quand on voit les réseaux actuels qu'on utilise, du type Instagram, TikTok, Snapchat, c'est de la consommation rapide. Et c'est pas forcément du temps qu'on prend, de la qualité. Moi, je regrette parfois un peu le temps qu'on prenait à lire les longs blogs où il y avait 30 pages sur... on savait que la personne a pris du temps à écrire, on prenait du temps à lire, on écrivait des commentaires longs, on attendait la réponse. Maintenant, on n'est plus du tout dans la même consommation des réseaux. Et ça, c'est pas quelque chose... Ce n'est pas un gage de qualité. Et moi, j'ai toujours associé Lolita à la qualité. Et pas le fast. C'est pour moi, le Lolita, c'est le slow fashion. On prend son temps et c'est beau et c'est bien et on s'écoute et on trouve l'inspiration et on prend 15 ans à faire sa tenue. Alors, j'exagère quand je dis 15 ans, évidemment. Il y en a certains, ils prennent 5 minutes. Hein. Mais voilà, c'est les réseaux nous font penser que voilà, maintenant tout va très vite. Donc, suite à tous ces petits côtés négatifs, hein, heureusement, il y a quand même beaucoup plus de positifs par rapport aux réseaux sociaux. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on arrive à faire quand même des événements. Et c'est vrai qu'on est quand même bien lotis dans la communauté française, parce qu'il y a pas mal d'événements. Et ça marche plutôt bien pour se rassembler, pour les utiliser. Et donc, il y a certaines personnes qui m'ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant des réseaux sociaux? Donc, l'envie de plus d'événements en ligne, parce qu'on s'est rendu compte avec le confinement que c'était possible. Donc, ça pourrait peut-être être une nouvelle vague dans Lolita, les événements en ligne, même si j'ai l'impression qu'on aime quand même plus le réel. Hein. Voilà, on aime bien se voir. Hein. On est des bons vivants en plus.
Et puis, ce qui je trouve hyper intéressant, ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les Lolitas de maintenant, d'aujourd'hui, sont celles qui font la mode Lolita. Et je trouve ça super que ce soit de plus en plus une mode personnelle, où chacun a un espace où il peut avoir son mot à dire, mais il peut aussi continuer à faire Lolita tout seul dans son coin, en campagne, avec son chien. Ça marche aussi. On est libre, on fait comme on veut. Donc si vous avez des remarques par rapport à ça, n'hésitez pas. Oui, Camélia. Moi, je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que Instagram maintenant, c'était le fruit qu'il y avait à l'époque. Et je trouve que c'est vrai, mais seulement dans la mesure où on se rappelle que les street snap et fruits, etc., déjà, c'est seulement ce que le joueur de fruit, si on n'arrive pas à me rappeler, choisissait. Et notamment, il a dit pendant des années après qu'en fait, il n'aimait pas trop Lolita, et c'est pour ça que sur la fin, on voyait plus trop Lolita dans Fruits. Et c'est des street snaps qui, en fait, étaient staged. C'est, il disait, à telle heure, rendez-vous pour un street snap. Et du coup, les gens étaient sur leur 31, dans des tenues très élaborées, parfois, etc. Et je trouve que c'est pas vrai pour tout Instagram, parce que oui, l'algorithme met en avant les gens qui ont les tenues les plus travaillées, le plus de followers, etc. Mais si on regarde les bons hashtags, parfois, on a plus de casual Lolita, plus de tenues qui sont vraies day-to-day par rapport à des street snaps qu'on avait avant. Oui, parce que tu auras des gens sur Instagram qui jouent pas le jeu, entre guillemets, qui jouent pas le jeu, et qui ont un photographe qui les photographie, et puis la tenue hyper travaillée, etc. Mais oui, en effet, tu peux aussi avoir le côté un peu plus blog de l'Instagram, où c'est vraiment la tenue daily, c'est vraiment voilà comment je le porte tous les jours, et c'est pas toujours dans les codes. Ouais, et ça va avec ce que tu disais sur la multiplication des sources d'inspiration, et c'est ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, je trouve. Ouais. Après, on peut se poser la question, quels sont les bons hashtags pour se faire voir dans la communauté? Moi, je vois, en fait, selon les hashtags que j'utilise, je n'ai pas du tout le même public qui va regarder mes photos. Donc, à la fois, quels sont les hashtags qu'on peut dire utiliser dans la communauté française pour se faire voir? C'est vraiment ça. Est-ce qu'en fait, il faudrait, entre guillemets, s'instaurer une liste ou vraiment, entre guillemets, voir... Oui. Moi, j'en ai un. Pour les vieilles Lolitas dans notre genre, je propose le hashtag OK Bloomer. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle OK Bloomer. Il y a une série de trucs qui s'appelle OK Bloomer, tout à fait. Oups. Eh bah, faisons ça, je propose OK Bloomer. Ça te va à toi et à moi aussi, par exemple. Et comme ça, plus, là. À toi aussi, on se vise. Si vous voulez nous parler, OK Bloomer. Mais tu vois, en fait, vraiment, selon les hashtags que tu mets, t'as pas du tout le même public. Et c'est ça qui est dommage, parce que moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de découvrir des Lolitas avec certains hashtags, mais je ne retrouvais pas ces Lolitas avec d'autres hashtags. Et c'est ça qui est horrible, en fait. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment les mêmes personnes selon les hashtags, et pourtant, on est la même mode et la même passion, quoi. C'est bête, quoi. Ouais, comme quand on met Lolita fashion, si tu mets pas forcément que les plus récents ou les plus populaires, tu peux tomber sur des petits comptes qui postent pas souvent. Je trouve que Lolita fashion, depuis le, comme disait Camilla, le débat il y a 2-3 ans sur le mot, et surtout quand Instagram et YouTube ils ont commencé à ban le hashtag Lolita tout court parce qu'il y avait des photos qui passaient, qui étaient effacées par Instagram, parce que ça, ils avaient mis, je crois, juste le hashtag Lolita dans tout ce qui était pédopornographie ou des trucs un peu borderline. Du coup, moi maintenant, je mets souvent Lolita fashion, et je trouve que même quand je cherche avec ça, j'arrive à trouver un peu de tout. J'arrive à trouver un peu de tout. Et je l'ai mis en Instagram le propose. Tu t'es abonné. Ouais, je me suis abonné. Mais par contre, de temps en temps, c'est intéressant d'aller voir les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peu d'abonnés et qui ont des tenues de dingue. Mais c'est des filles qui utilisent mal les réseaux, des fois qui ne mettent pas de hashtag. Ou qui ne veulent pas attirer la qui ne veulent pas être sur les réseaux aussi. Ça, je n'avais pas pensé. J'avoue que je m'étais toujours dit que quand tu postais les réseaux, hein, tu veux être un peu vu, entre guillemets. Mais je ne m'étais pas dit qu'il y a des gens qui ne postaient pas parce qu'ils n'avaient pas envie de se prendre 500 likes dans la tronche ou 10 likes, des commentaires, peu importe. Là, j'ai vraiment parlé de l'aspect nous, comment on consomme les réseaux. On pourrait presque faire une autre conférence sur comment on les utilise. Parce que ça encore, ça implique plein de choses. Et notamment, est-ce que utiliser les réseaux, c'est forcément vouloir plein de likes? Pas vraiment, je m'en fous, mais bon, ça fait toujours plaisir quand on en a un peu.
Mais j'ai, après, je sais qu'il y a. Enfin, moi, j'ai des copines, j'ai fait 100 likes. Pourquoi? Bah, elle est très bien, ta photo. Pourquoi? Je sais pas, moi, pourquoi? J'ai partagé, j'ai commenté. Tu vois, en fait, c'est total. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais je voulais juste ramener le débat aussi sur le côté où, ok, boomer, on a un certain âge, on a des jobs. Ouais. Et quid de cette dualité entre ma vie privée où j'adore le Lolita, j'adore le porter, voilà. Et le travail que je fais, où finalement, oui, ça les gens ne savent pas et je n'ai pas envie de leur en parler. Donc s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est aussi prendre ce risque-là. Après, je vais donner mon expérience très personnelle. Oui, je poste tous les jours. Je me connecte à environ 10 minutes par jour sur Instagram. Je ne suis pas une consommatrice des réseaux. Après, je poste parce que ça me fait plaisir. Voilà, j'ai toujours été blogueuse, etc. Je suis d'accord avec toi qu'on a quand même une vie. Et puis que de l'autre côté, il faut aussi dire, pas parce que je poste tous les jours que tu connais ma vie, hein, tu sais qui je suis. Je pense que le réel, c'est là où ça va toujours primer, c'est qu'il faut quand même bien garder conscience que ça reste tout ça de l'image, du superficiel, du virtuel, de l'inventer. C'est très facile de s'inventer une vie. Sur les forums, il y avait peut-être un peu moins ce côté-là, et encore, hein, même déjà sur les forums, on pouvait tricher, et poster une fois tous les trois mois une super tenue de fou et faire croire qu'on avait une garde-robe. Après, ça dépend de l'authenticité qu'on a envie de mettre dans ce qu'on partage dans les réseaux. Mais la question de l'identité, elle se soulève aussi depuis quelques années. Quand on est tous inscrits sur Facebook, on avait mis n'importe quoi, comme on pouvait mettre n'importe quoi, comme pseudo, comme prénom. Et le jour où on a commencé à pouvoir dénoncer les autres et qu'il fallait envoyer sa pièce d'identité pour garder son compte, il y en a qui ont eu des sueurs blanches. Moi, pour le moment, je fais encore partie de ceux qui ont échappé au truc. Mais un jour, ça va me tomber sur le nez. Je ne sais pas si à ce moment-là, je vais complètement assumer de mettre mon vrai nom, parce que fun fact, Lynn de la Vallière n'est pas mon vrai nom. C'est trop chaud. Mais je pense que ce que tu dis, ça freine aussi, parce que tu veux pas que ton patron tombe dessus. Moi, vous me verrez. Ouais. Bah oui, c'est ça. Je pense que moi non plus. Mais c'est juste dans l'idée. Enfin, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui portent le Lolita pour s'échapper un petit peu de la sphère du travail, etc. Pour avoir la bulle qu'on a inventée, notre royaume, notre monde. Et si dans ce monde-là, on a envie d'appeler Lynn de la Vallière, on a le droit. Donc c'est la magie des réseaux. Mais c'est sûr que si Facebook nous demande de toujours mettre les noms, les prénoms, la date de naissance, avec les études qu'on a fait, avec qui on est marié, etc., on s'en sort plus, quoi. Ouais, tu sors, moi, mon nom et un pseudo, donc ça va, ça passe. C'est mon prénom et j'ai mon patron qui est dans mes amis. Mais je pense qu'il y a un cap à franchir, chacun personnellement, sur ce genre de choses. Je pense qu'on est, ça se fait différemment, pas, enfin, c'est... Et les envies ne sont pas les mêmes, pas tout ça, mais bien sûr. Après, pour moi, les réseaux sociaux, moi, je les utilise pour essayer de contacter un maximum de la communauté Lolita. Par exemple, sur Instagram, je cherche souvent French Lolita pour essayer de trouver toutes les Lolita françaises pour les intégrer. Rougeantel, désolé. Mais nous, en fait, on recherche des gens parce qu'on sait que... On va dire qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une communauté près de soi. Je ne sais pas comment c'est dit. Il y a quand même une époque où c'était assez actif que les sifflets et Loïc Valentin. Ah oui. J'ai une ride qui vient d'arriver. Et je voulais juste, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à Lolita, j'étais forcément tombée dessus. À l'époque, j'avais fait une recherche en sociologie sur ça. Wow. Mais justement, je ne savais pas d'où venait Loïc Secret. C'est américain. Voilà, j'avais une question par rapport à ça, parce que quand on parle des mauvais côtés, pour moi, l'Holicyclette, c'est vraiment un petit peu la boîte de Pandore. Tout le monde peut dire des choses anonymement qui peuvent être... Oui, qui peuvent être vraiment... Non, c'est pas vrai, J'ai pas la réponse à tout, mais en tout cas, je pense que Marie sera d'accord pour dire, à la blague, à la base, l'Holicyclette, c'est pour rire. Oui. À la base, c'était pas du tout quelque chose de méchant. Mais évidemment, qui dit réseaux sociaux, anonymat, au final, les blagues sont devenues de plus en plus des dénonciations cachées. Non, mais je plaisante. Et c'était à fin, mais je plaisante plus. Et c'est devenu ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens citent Lolicyclette comme une mauvaise plateforme, mais qui à la base n'en était pas une. Au début, moi je me rappelle les premières fois, j'ai déjà posté sur Lolicyclette, à la base, c'était
je vais vous révéler anonymement mon secret. Donc on ne lâchait pas les autres, on révélait son secret, vrai ou pas vrai. Et donc on avait des choses comme, il faut que je vous dise, mais en fait, je porte toujours des collants opaques parce que je ne me rase pas les jambes. Et ce n'était pas, on vanne quelqu'un qui ne se rase pas les jambes, c'était, je le dis, mais comme c'est anonyme, on va en rire et je ne vais pas me... Voilà. Et on avait des choses comme ça. Et après, c'est devenu méchant. Mais au début, c'était genre... c'était que des private jokes, c'était pour rire. En fait, ça a un peu tourné. Au départ, c'était que pour rigoler, dire des secrets qu'on ne dirait pas publiquement. Après, ça a tourné un peu, je ne dirais pas creepy, mais presque du style... J'ai vu des trucs, mais c'était en 2000... loin. c'était 2008-2009. Il y a eu des guerres entre des forums avec les Loli Secrets. Ouais. Hein. Ouais, toi, t'es sur le forum Intel, donc ça veut dire que tu fais ça et machin. C'était des trucs du style, bah moi, quand je reviens d'un meeting, comme je suis collectionneuse, ma robe, et bah, je la remets directement dans l'armoire. Voilà, c'était des trucs comme ça. Et puis après, bah, c'est allé vers la méchanceté petit à petit. Et comme t'as dit, c'était des trucs de la méchanceté soi-disant pour rigoler. Et puis après, ça tourne mal, explication. Voilà, ça a mal tourné. L'anonymat, ça peut avoir de bons côtés, ça peut avoir de très mauvais côtés. C'est surtout très actif à l'international. Bon, je pense qu'en France, il n'y a vraiment plus grand-chose qui est posté là-dessus. Non, même Behind the Boss est complètement mort. C'est un peu vieux, Non, il y a deux semaines. Non, mais par exemple, est-ce que vous savez que, pour les personnes, vous connaissez Closet of Frills sur Facebook ? Oui. Le groupe pour poster ses tenues. Est-ce que vous saviez que chaque tenue qui est postée là-dessus est automatiquement postée sur 4chan ? C'est bien de le savoir, merci. Voilà, ouais, à chaque fois que vous postez sur Closet of Frills, il y a une thread sur 4chan qui s'appelle Closet of Frills. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une tenue, c'est automatique, il n'y en a pas une qui est loupée. C'est un bot, hein. T'as pas un bot qui fait les... Non, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait des commentaires avec. Il y a quelqu'un qui a pas dit. C'est pour ça que je me retrouve. Oui, c'est pour ça que tu te retrouves là-bas. C'est tout le monde, hein, de manière égale. Liberté, égalité, fraternité. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ces secrets français, c'était... Il n'y en a plus parce que les gens qui disaient des trucs dégueulasses ne sont plus dans la com'. Les quelques noms qu'on a lâchés en fin de convention sur ces 5-6 dernières années, c'est que des gens qui sont arrêtés, qui avaient des discours totalitaires sur le Lolita, et qui, bah, comme par hasard, quand ils sont arrivés dans le créneau de l'âge et des conneries qu'ils dénonçaient, se sont dit bah, « je me casse parce que... » Alors je te cache pas qu'en France, on a une communauté... Je trouve relativement saine. Ouais. Oui. Mais moi, je trouve que c'est depuis qu'on a EGL. Mais par contre, aux États-Unis. Sarah a ouvert le groupe Facebook. Oui, et par contre, aux États-Unis, ils ont encore une communauté très toxique et très totalitaire sur le Lolita, qui est soit on s'en fout le Lolita, on fait ce qu'on veut, si j'ai envie de porter un jean au Lolita, voilà. Et de l'autre côté, c'est non, le Lolita, c'est comme ça. Et en fait, c'est pour ça que 4chan cartonne sur le bord de CGL. Oui, voilà. Et nous, on va dire, depuis 2013, c'est lourd, c'est gentil. Enfin, vraiment, en France, oui. Il y a eu un ménage qui a été fait. Bah, quand les forums ont fermé, j'ai l'impression qu'il y a eu, le moment de la transition, et que Sarah, je crois que c'est Sarah qui a créé le groupe La Roseraie. C'est-à-dire que Sarah, elle a fait un truc qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est qu'elle a calqué son caractère dans le Lolita sur le mien. Donc, c'est-à-dire que... ton enfant. Ouais. Oui, c'est mon padawan. Mais du coup, elle a mis un peu d'autorité tout en gardant de la bienveillance. Et du coup, en fait, ça a été n'allez pas trop loin, arrêtez de dire de la merde, aimez-vous les uns les autres, sinon je vous marave et tout se passera très bien. Et en fait, oui, on a une communauté très saine. Moi, comme je dis à chaque fois, le Lolita, il y a des guidelines. Vous portez un jupon, une silhouette précise, après vous faites ce que vous voulez. Allez Joël, bonjour. Petite information, c'était un panel que j'ai écrit pour une conférence aux États-Unis qui durait 1h30, et donc j'ai essayé de traduire ça et j'ai enlevé plein de slides. Mais si vous avez des questions spécifiques,
J'ai d'autres slides, peut-être à la fin, avec plus d'informations qu'on peut aller voir et qui ne seront pas traduits en français parce que j'avais la flemme. Voilà. Donc, on peut aller à la suite. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon vrai nom, c'est Joël et je suis aussi connue comme Fluffy Kawaii Joe. Et j'ai 39 ans, la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça, sans surprise, mais je viens de les fêter la semaine passée. Je suis suisse. L'année prochaine, grosse TP en Suisse, alors, les 40 ans. Ouais, peut-être, on pourrait faire un truc. TP à Fluffy Tory, on vient tous. Il y a un vol direct entre Nantes et Genève, tout à fait. EasyJet, c'est pas cher, ouais. Venez, venez. Et on privatise les locaux d'Angélique Pristine à Tokyo et on va tous là-bas et on fait la chouille. T'imagines, pour mes 40 ans, c'est la classe, hein. Bah oui, ah oui, oui. Pardon ? Pas au mois d'août. Pas au mois d'août, non, ok. Si tu fais de la fondue à la TP, Hubert, viens. Il y a un truc que j'avais dit que je n'allais jamais faire en Lolita, c'est de manger de la fondue parce que ça puait trop et on s'est retrouvé une fois à faire manger de la fondue dans un marché de Noël après. Enfin bref, je vais vous parler de YouTube à la base, à part le fait que je suis vieille. Petite introduction. Mon vrai métier, c'est qu'en fait j'en ai plein et j'ai plein de boîtes. Et du coup, à la base, j'ai étudié l'informatique et l'égyptologie. Et je ne le fais pas du tout. J'ai fait du cheerleading pendant 10 ans. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est la version sportive des Pom Pom Girls. Ma première équipe, c'était un. Pardon, ma première entreprise, c'était un produit dérivé d'un jeu qu'on avait créé de cheerleading où on faisait des vêtements. Et quand j'ai arrêté de faire du cheerleading pendant un moment, j'ai créé mon entreprise et après j'ai eu un autre break et j'ai créé Fluffy Tory et après j'ai eu un autre break et j'ai créé ma chaîne YouTube et là maintenant cet été je viens d'ouvrir un selfie village donc voilà, je suis occupée mais c'est ça que je fais à plein temps et j'ai pas d'autres jobs. On l'appelait selfie village parce que c'est des petites maisons et ça fait comme un village mais du coup c'est un endroit où on a des chambres décorées pour faire des photos. Et du coup, tu peux louer le temps de venir te prendre en photo dans des décors. J'ai un flyer, si vous voulez voir les photos, à mon stand. Mais c'est à Genève, du coup, c'est pas juste à côté. Pour les 40 ans. Pour les 40 ans, voilà. Oui, alors ça, c'est facile. Ça, on le fait souvent hein, pour les sorties Lolita, c'est très bien. J'ai commencé Lolita en 2008 ou avant, parce que c'est la première photo que j'ai retrouvée. Mais vraiment sérieusement depuis 2015 et en fait c'est très bateau comme j'ai découvert le Lolita, c'est à travers Fruits, enfin surtout la mode Rajuku. Voilà, on est avec ma classe au musée et j'ai vu ça dans la sortie. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aussi rapidement sur ça. J'ai plus de 700 vidéos en 5 ans, j'en fais en ce moment 2 à 3 par semaine. J'ai commencé à faire plein de trucs différents. Quand je me suis dit, allez, je me mets sur YouTube, j'ai fait, j'ai commencé par faire genre des accessoires Lolita, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai parlé des jeux vidéo auxquels j'aimais bien jouer, des vidéos sur le Lolita, je sais même plus ce que j'avais comme genre de trucs, Pokémon Go, voilà, des voyages, la robotique aussi. Et je me suis bien vite rendu compte qu'en fait, c'était le Lolita qui marchait mieux, mais pendant 6 mois au moins, je me suis dit, allez, je peux faire ce que je veux, en faisant de tout, les gens, ils viendront pour moi. Et en fait, non. Si vous voulez commencer sur YouTube, faites un truc ultra, ultra précis. Même le Lolita, c'est trop large. Il faut trouver votre niche hyper précise, et c'est ça qui marche en général mieux, mais je l'ai découvert par moi-même, malgré ce que tout le monde me le disait. Là, j'ai découvert Everybody Can Be Kawaii. C'était elle est où, Litvin ? Voilà, c'était au défilé que j'ai fait à cosplay in Wesserling, oui. C'est ça. Une personne qui vendait je sais plus quoi, une petite boutique, et puis elle était habillée, je pense, un peu... bref, une façon alternative aux limites cosplay, quelque chose comme ça, puis elle était là. J'adore comme t'es habillée, mais je pourrais pas, parce que je suis trop vieille et trop grosse, et là je me suis dit, mais pourquoi tout le monde arrête pas de me dire ça, c'est vraiment ridicule. Et là, j'ai trouvé cette... Mon but, c'était de prouver aux gens que everybody can be kawaii, tout le monde peut être kawaii. Et du coup, je me bats pour montrer qu'on n'est jamais trop grosse, trop vieille, trop un homme, trop masculin, trop, je sais pas, la peau trop foncée, tout ça. J'essaye vraiment, à travers ma chaîne, de montrer plein de diversité et pour montrer que le Lolita et la mode kawaii en général, c'est pour tout le monde. Ce qu'on voit, moi je suis justement dans un groupe, on parlait là,
avec Yumi, c'est un groupe qui s'appelle... Il y a deux groupes sur Facebook. Il y en a un qui s'appelle Lolita Fashion YouTubers et l'autre, c'est Lolitas of YouTube. Lolitas of YouTube est un peu mort. Et du coup, le Lolita Fashion YouTubers, c'est un nouveau groupe où les gens sont un peu plus actifs et on fait des espèces de thèmes un peu tous les mois, comme ça, il y a des choses qui viennent avec eux. On ferait un truc pour Halloween, pour Noël et tout. Et les gens que je vois qui participent à ça, c'est principalement des nouvelles Lolitas. Les anciennes Lolitas participent pas trop. Et sinon, on regarde leur chaîne et ils font que des unboxings, que des trucs comme ça. Et du coup, je trouve que c'est pas hyper... intéressant de faire à peu près toutes les mêmes vidéos que tout le monde fait et même ces tags en fait je participe aussi mais genre je trouve pas que c'est hyper intéressant et si vous voulez vraiment faire un truc cool sur YouTube il faut trouver un angle un petit peu plus spécifique et ça prend du temps et trouver votre angle. Mais du coup Yumi disait, je vais revenir, qu'elle aimerait bien qu'il y ait plus de Lolita francophone et donc vous avez compris, je suis francophone à la base et j'ai décidé de faire mes vidéos en anglais parce que je trouvais que c'était plus important de faire en anglais pour toucher le plus de monde. Et du coup, 40% de ma communauté est aux États-Unis. Du coup, ça marche, du coup, de faire en anglais, mais je me limite quand même parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais je ne comprends pas l'anglais, et puis est-ce que tu peux faire plus de vidéos en français ?» Et donc, c'est un choix que j'ai fait, mais c'est vrai que je comprends tout à fait le choix de vouloir faire des trucs plus localement, et ça, c'est quelque chose qui, en général, marche pas mal, donc... Donc Yumi vous incite à, et Lynn aussi voilà, se remet, devenez si youtubeuse francophone. Il y a 15 jours, c'est parce que Yumi a dit « Allez !» Parce que justement, quand Joël parlait des groupes Lolita YouTube, c'est vrai qu'avec Lynn, ouais. Qui s'était voilà, un petit peu endormi sur sa chaîne YouTube, oui, qui se réveille. Je laissais le truc un peu... Mais je vais être honnête, par flemme, il y a eu le... Avant le confinement, c'était déjà compliqué, j'ai repris le boulot à temps plein, puis après il y a eu le Covid, et alors là, la motivation, elle est partie ça. Très très loin. Et aussi le fait que, ben, c'est con, mais moi je fonctionne avec, s'il y a d'autres gens, c'est ça. Ce que je vais dire. M'émuler et je vais avoir envie de faire des trucs. Si je suis toute seule, je suis vachement moins motivée. Voilà. Donc, pour l'instant, on est deux Françaises, donc s'il y en a d'autres, ce serait pas mal. On a peut-être lancé des... Voilà. Il y a moi. Des... Oh, mais tu fais en anglais, mais est-ce que tu ferais les tags tu vas devoir le faire maintenant. Ouais. J'aurais dû me taire. Mais du coup, voilà, effectivement, je pense que la communauté est assez importante. Et du coup, moi, j'ai rejoint ces communautés actives qu'en ayant plus d'expérience. Mais pour les personnes qui débutent, c'est assez cool, justement, d'avoir des idées de thèmes et trucs comme ça. Et puis, alors, il y a pas mal de gens qui me disent « Oui, j'aimerais commencer YouTube, mais j'ai pas le matériel, c'est cher, blablabla. » Et donc moi j'ai commencé avec mon téléphone, c'était un iPhone 6 je crois, je ne sais même pas en plus ou je sais pas quoi. Du coup tout est possible avec une fenêtre, en général la lumière naturelle c'est le mieux, donc c'est vraiment facile de commencer avec absolument rien. Après on est vite tenté d'acheter du matériel en plus, c'est vrai que là maintenant ça fait un moment que je n'ai pas acheté du matériel. Hein. Une fois que j'ai acheté cette caméra... Avec, je vous parlerai en fait de mon matériel plus tard, je crois que j'ai des photos. Après, on est tenté d'être sur YouTube, on est vite tenté de faire d'autres trucs. Aussi Instagram, souvent on fait déjà Instagram et voilà. TikTok, moi je me suis lancée dans encore Firework, c'était une nouvelle plateforme où ils faisaient des vidéos. Leur truc qui était cool, c'est qu'en fait on tournait le téléphone et la vidéo tournait et puis ils révélaient des trucs, ils appelaient ça Reveal, donc vous passiez de format portrait à en tournant, vous avez plus de trucs. C'était cool, mais bon, ils avaient un truc, ils sont venus chercher les influenceurs, venaient faire des vidéos, on vous paye, et puis au bout d'un moment, ça faisait plus de vues, on vous paye plus, donc je me suis essoufflée à faire du travail pour ça, pour pas grand-chose. Et du coup, je pense que faire YouTube, c'est... Enfin, faire un réseau à fond, le faire bien, et après peut-être ouvrir un deuxième, parce que c'est trop de travail et d'investissement de se dire « Je vais faire 2 TikTok par semaine, poster tous les jours sur Insta et 3 vidéos YouTube », c'est impossible. Là, du coup, vous avez vu tous les jobs que je fais, bah, je pense qu'à peu près 50% de mon temps, c'est YouTube, hein, pour faire 3 vidéos par semaine. Donc, je ne vous dis pas de faire 3 vidéos par semaine. Yumi, tu t'es dit une par mois. Moi, ça, c'est bien pour commencer. C'est Instagram, en fait. C'est pour ça. Moi, quand j'ai du temps, en fait, je pense qu'il peut être intéressant, c'est si les personnes, je pense que tu en parles, s'il y a des personnes qui veulent faire un YouTube, il faut déjà, de base... avoir une idée de ce qu'on veut partager. Il faut limite que ce soit le YouTube qui se cale sur notre manière de vivre plutôt que de créer des choses pour YouTube. C'est plus simple.
moi, je vois mon Instagram, si j'arrive à le tenir à une telle fréquence d'un par jour, c'est parce que de toute façon, qu'il y ait Instagram ou qu'il n'y ait pas Instagram, je fais mes tenues Lolita. Mmh. Et j'aime bien faire des photos, moi, pour le souvenir de « tiens, ce jour-là, j'ai porté la cohorte comme ça ». Et puisque j'ai le contenu, je le partage. Et je crois que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Toi, si tu peux faire autant de vidéos YouTube, c'est parce que t'as beaucoup de... tu filmes beaucoup de choses déjà, oui, de base. Donc il faut aussi penser à ça, de ce qu'on a dans la vie de tous les jours qui peut être un contenu. C'est ça, documenter ce que vous faites. Bah moi je disais, j'ai lancé un des trucs que j'ai lancé, bon je vous parlerai peut-être après de Action Lolita ou Normies, mais sinon Cord Mashup, c'est une vidéo, c'est un truc où je fais, je tire au sort deux thèmes différents aléatoires par mois et on fait une corde là-dessus et après j'incite les gens à faire ça. Ça c'est un truc que je vais faire tous les mois. Au final je finis par acheter des trucs tous les mois, donc je fais un haul tous les mois. Après j'ai vite une autre idée de truc comme ça et après je vais en TP comme ça. Bah là j'aurai, je sais pas si je vais faire une vidéo avec toutes les conférences ou trois différentes. Il y aura le défilé, il y aura un vlog. Du coup, si je fais beaucoup d'events, ça fait vite du contenu et du coup là c'est du contenu comme ça qui me tombe tout cuit quasiment. Il suffit qu'une fois par mois il y a encore le tag de Halloween de la truc comme ça et du coup c'est quand même facile d'avoir du contenu en tout cas pour moi. Et après, quand voilà, je fais Cord Mashup, après, je me fais une vidéo verticale où j'explique ma tenue. Et ça, ça en fait un short. Donc, short, c'est la version YouTube de TikTok, où c'est des vidéos d'une minute verticale, machin. Du coup, je me suis mis à mettre ça, parce que c'est pratique. Le corps humain est pile la taille de, pour faire, hein, donc c'est très bien. Donc, je ne vous conseille pas d'aller sur toutes les plateformes directes. Et effectivement, partez sur une et surtout partez sur du contenu que vous avez déjà ou que vous allez déjà faire. C'est vraiment facile. Sachez pourquoi vous voulez commencer YouTube. Oh, je vais gagner plein d'argent, je vais être influenceur. Non. En ce moment, honnêtement, je dois gagner à peu près 4000 euros par an avec YouTube et j'en dépense plus que ça, rien qu'en payant quelqu'un pour éditer mes vidéos et... pour acheter des trucs pour mon studio et tout, donc faites pas ça pour l'argent. Vous voulez un scoop? Lovely Lore m'a dit combien elle gagne par an, donc c'est pas non plus un truc énorme, et la moitié de ça, c'est la pub. Ça m'a impressionné. Parce que... c'est vidéo, ce que lui rapportent les vidéos en elles-mêmes et les partenariats. Non. Du coup, c'est que 18%, c'est les sponsors. D'accord. Et le reste, c'est son Patreon. Ok. Ah, le Patreon, c'est à prendre en compte comme ça. Ouais, du coup, ça fait quelque chose comme 40%, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est 70% de mon revenu, je pense, en Patreon. Donc, Elle a envie. C'est son. C'est la première, en fait, qui Lovely Lore, c'est la première qui vit vraiment de sa chaîne. Ouais, la première Lolita, on va dire, parce ouais. Qu'il y a Pixilox, elle était Lolita, puis elle voulait vers autre chose. Elle touche d'autres. C'est parce qu'elle touche à tout, justement, elle fait le kawaii de manière très générale et pas seulement le Lolita, c'est pour ça qu'elle a beaucoup plus d'abonnés. Tu dis Pixilox ? Ouais. Non, ou Lovely Lore ? Tu trouves ? Moi j'aurais dit l'inverse. Elle est très très Lolita. Elle se serait développée avec le kawaii, comme elle a fait l'école de mode, etc. Elle touche d'autres communautés et Lovely Lore reste quand même dans le Lolita. Non, parce qu'en fait, Lovely Lore, elle a eu toute une période où elle a fait du Pokémon, par exemple. Et elle fait aussi du Rilakkuma. Et ça touche d'autres communautés. Ouais, mais c'est une vidéo sur ces... elle reste non, très... Non, je parle d'une période où, en fait, elle a gagné beaucoup d'abonnés. Ah, parce qu'elle a fait un truc spécial. De manière générale, par exemple. Oui, ok, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Maintenant, oui, elle fait beaucoup de Lolita, mais elle a gardé ses abonnés-là. Ouais. Sinon, clairement, si vous commencez une chaîne YouTube, vous les monétisez pas, comme ça, vous pouvez prendre les images et les sons de tout le monde. Alors ça, c'est faux. C'est archi faux. Je suis désolée, elle dit ça tout le temps, mais non. Sur ma chaîne YouTube, pas du tout. C'est 2 dollars par... Si tu regardes les trucs, c'est archi faux. Même si tu ne monétises pas, tu n'as pas le droit et tu peux être attaqué en justice et payer des milliers d'euros. Universal, n'écoutez pas. Ils sont gentils, se servent, ils m'attaquent pas. Voilà, alors peut-être t'es trop petite pour qu'ils s'attaquent, mais non, c'est archi faux ce qu'elle dit. Il est possible que si je dépassais les 10 000 abonnés, ça serait très problématique. Mais pour le moment, si je mets la musique d'Harry Potter, tout le monde s'en fout, je monétise pas. Eux, par contre, monétisent ma vidéo. Et Universal, dans certains pays, peut-être qu'ils la cachent. Hein. Il y a peut-être certains pays qui ne voient pas ta vidéo. Il y a quelques pays qui ne voient pas. Je vois, mais ça change tout le temps. C'est ça qui est drôle, c'est que... il y a une musique qui peut être libre de droit, après elle l'est plus, après elle l'est de nouveau, donc ça change tout le temps. Oui, ça c'est un autre débat. Ça reste dangereux, oui. Faites attention. Oui. Hein. Mmh.
Mais toujours noter sa source. Moi, les gens à qui j'ai pris une image, je leur envoie un DM, je leur envoie un texto quand c'est Joël, et je cite toujours où j'ai pris la musique. Je crois qu'il n'y a que Universal que je cite jamais, par contre. Clairement, la musique d'Harry Potter, j'ai mis musique d'Harry Potter. Mais après, voilà, c'est gentil de faire les sources, mais légitimement, ça, non, ça vaut rien. Par contre, voilà, si c'est... En fait, si tu m'écris en DM et que t'as la réponse en dessous, ouais, pas de soucis, eh ben ça, c'est bon, tu vois. Tandis je que... sais même pas s'il faudrait pas faire un truc super officiel, je sais même pas. Donc... Non, ils disent l'autorisation écrite, ouais. Puis voilà. Donc moi, si je te dis, ouais, pas de soucis, c'est bon, t'as le droit. Dans YouTube, t'as pas un lien où tu peux choisir les musiques, en fait si oui, ils ont une... Ça sera pas monétisé, du coup, mais mettre la musique, dire que tu l'as utilisée, et... Ils ont des musiques libres de droit et tout, oui, tout à fait. Non, pas libres de droit, mais par exemple, le fossoyeur de film, bon, rien à voir avec Lolita, mais le fossoyeur de film, il utilise des musiques de film, et il les note, en fait. Il les note sur un répertoire précis. Et du coup, il peut les utiliser. Parce que, en fait, ces vidéos ne sont pas monétisées. Et en fait, c'est quand tu télécharges la vidéo YouTube, ils te disent, avez-vous un contenu, genre, qui ne vous appartient pas? Tu coches oui. L'algo, il cherche lui-même qu'est-ce qui n'est pas à toi dans... Et tu dis, ok, c'est pas moi. Et il va chercher lui. C'est ça. Il va redonner les droits aux bonnes personnes. En fait, c'est les personnes qui décident d'activer ça ou pas sur leur contenu. Oui, c'est possible aussi. Et puis, il y en a qui sont plus à cheval que d'autres, en fait. Du coup, il y a un moment, quand j'ai commencé YouTube, sur Instagram au début de YouTube, je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai pas trouvé quelle est mon image et je vois des gens, je vois pas leur tête, je sais exactement c'est eux parce que la façon dont ils cordent des trucs et tout, et j'avais pas encore trouvé ça et ça me perturbait et je peux pas dire à quel moment exactement j'ai trouvé que le Mint et Pink ça serait ma marque. Mais maintenant, c'est ça. Les gens, ils voient, et je reçois des textos de gens. Oh, regarde, j'ai vu cette voiture, elle était mint avec un truc pink, j'ai pensé à toi. Des trucs, rien à voir. Et les gens m'associent à ça. Et ça, je trouve que c'est autant sur ton contenu, le fait d'avoir une image cohésive, c'est vraiment très important. Et du coup, j'arrive à mettre ça dans les miniatures de mes vidéos, dans mon Instagram. Et au point que d'avoir des couleurs qui sont associées, je trouve ça assez puissant. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'ai réussi un truc pas mal. Hein. Même Lovely Laure, elle a dit « Moi, je n'ai pas réussi ça autant que Joël, je ne sais pas comment elle fait. » Ah oui, du coup, pour la petite histoire, la semaine prochaine, je vais à Las Vegas et on fait une conférence. Je devais faire une conférence YouTube, cette même conférence toute seule. Et il se trouve que finalement, on l'a fait avec Kim Butcha et Lovely Laure parce qu'elles seront aussi là. Et du coup, voilà, ça va être un gros mix de nos trois expériences. Kim, ça fait un an et demi qu'elle fait YouTube. Moi, ça fait 5 ans. Et Laure, elle va fêter ses 10 ans, je crois. Et donc, si vous regardez, vous parlez anglais, ça sera intéressant de regarder ça après parce qu'on aura vraiment l'expérience d'un peu tout le monde. On peut passer aux motivations. Alors, vous avez bien compris qu'en fait, moi, je ne fais pas ça pour l'argent parce que... Faites jamais rien sur Internet pour l'argent, je dirais. Rien par passion pour l'argent non plus, parce que je ne fais pas Fluffy Tory pour l'argent non plus. Et typiquement, moi, ce qui est plus important, c'est le message que je veux faire passer. Là, pour moi, Everybody Can Be Kawaii, c'est ça qui me tient le plus à cœur. Si quelqu'un vient me dire « Ah, mais c'est un mec qui porte du Lolita, hein, c'est dégueulasse, je me désabonne !» Et ben, je suis là, mais en fait, cette personne, j'en avais de toute façon pas besoin sur ma chaîne. Donc en fait, pour moi, c'est voilà. Les gens, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent sur « Ah, c'est moche, elle est trop grosse, elle n'a pas le droit de porter du Lolita. » Mais en fait, je m'en fous complètement, parce que je ne vais jamais prendre personnellement un truc comme ça, parce que c'est vraiment dans le corps de trucs auquel je crois. Et alors, du coup, on n'a pas besoin de ça du tout, des gens qui ne croient pas à ce qu'on veut faire, donc... ça sert à rien. Donc les gens qui se désabonnent parce qu'ils n'aiment pas mon contenu, bah, tant mieux parce que j'en avais pas besoin. Et du coup, alors, je ne fais pas pour l'argent, mais si, ça m'apporte assez de notoriété pour que les gens m'invitent dans des événements, comme aujourd'hui. Merci. Ou à Las Vegas, ça c'est vraiment hyper cool parce que j'adore voyager, j'adore rencontrer plein de nouvelles personnes, voir les magnifiques corps des gens. Donc ça, c'est un truc vraiment positif de se faire un petit peu connaître. Et si vous voulez, la partie monétisation, c'est peut-être intéressant pour que vous voyez un peu les chiffres. C'est le slide suivant. Vous voyez un petit peu, AdSense, c'est la pub sur les vidéos. Alors, on ne l'a pas directement quand on commence. Il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de temps vu dans la dernière année. Donc, quand on a fait 700 vidéos, ça aide. Mais quand on ne fait que des vidéos de 5 minutes, c'est hyper dur de monter à 4000 heures de temps vu. Et puis là, à ce stade, je gagne à peu près 30 euros par mois. En ce moment, encore moins.
Super chat, c'est des petits pourboires quand vous faites des lives. Les gens, ils vous donnent 2 euros, 5 euros comme ça. Ça peut monter pas mal pendant les lives, c'est pas mal. Patreon, c'est comme Tipeee. Je pense que vous connaissez ça. Ça, en ce moment, je suis à 170 euros par mois, ce qui est pas mal pour le nombre d'abonnés que j'ai. Les sponsors, je pense que j'ai gagné pour 130 euros jusqu'à maintenant de sponsors. La plupart des gens, ils vont vouloir vous offrir des trucs gratuits, plus que en fait, vraiment vous payer pour faire du contenu. Et dès qu'on demande même 50 euros pour dire bah, « Ok, je veux bien tester ton truc qui n'a rien à voir avec ma chaîne, mais bah, faire une vidéo, c'est long, c'est coûteux et tout. » Et puis ils sont là « Ah non, tant pis. » Voilà. Donc faites pas ça aussi pour recevoir des trucs gratuits, surtout des robes gratuites. Dans le Lolita, il n'y a pas grand-chose. Hein. Avec justement Firework, j'ai gagné pas mal d'argent à un moment, entre 50 et 300 par mois. C'était cool, mais maintenant, plus rien du tout. Affiliate, c'est genre des liens recommandés. Donc il y a Amazon, moi j'utilise pas mal AliExpress, où j'achète plein de trucs sur AliExpress et vous pouvez mettre le lien, vous le passez à travers votre espèce de filtre et ça fait un lien spécifique. Et quand les gens cliquent sur votre lien, n'importe quoi d'autre qu'ils achètent sur AliExpress par exemple, et ben, ça vous rapporte une micro-commission de quelques centimes, mais c'est toujours ça de prix. Quand les gens achètent des robes sur AliExpress, du coup 50 euros, ça vaut la peine. Hein. Ça commence à faire un petit peu plus. Sinon, ça m'a aussi donné des jobs payés où des gens sont venus. J'aime bien tes vidéos, viens faire des vidéos pour mon séminaire d'entreprise. Et du coup, j'ai été payée pour, dans un hôtel de luxe pour suivre un séminaire de gens qui faisaient du pharma. Pas très intéressant, mais c'était bien payé. Ça, c'était la mère de Marianne, Marianne que vous voyez sur toutes mes vidéos. Sa mère travaille chez Novartis et voilà, j'ai eu ce job grâce à ça. Puis après, alors, qu'est-ce que mes ventes de Fluffy Tory sont vraiment gagnées grâce à YouTube? C'est dur à dire, hein, mais du coup, de faire ça, c'est... Voilà, ça fait quand même de la pub pour Fluffy Tory. Et un des trucs qui me rapporte le plus, c'est qu'en fait, je suis bêta-testeur pour YouTube, et par mois, j'ai plein de petits sondages ou des vidéo-calls avec des gens qui font de la recherche pour YouTube, et du coup, ils me payent pour que je leur donne mon avis sur comment ils vont m'aider à faire mieux dans ma chaîne YouTube. Donc je trouve ça hyper cool. Après, très rapidement, on va passer sur l'organisation. J'ai en même temps, là où vous voyez, je crois que c'est 782 en bas. Ça, c'est toutes les vidéos qui sont en cours, que j'ai filmées mais que j'ai pas fini de monter. Et donc, vous voyez les différentes étapes. Vert, c'est que c'est bon, puis j'attends de le poster. Rose, c'est que je l'ai filmé, mais je l'ai pas monté. Bleu, c'est que je l'ai envoyé à Tina. Donc, Snow Priestess, c'est elle qui m'aide à éditer mes vidéos, si jamais à faire le montage. Et après, j'ai mon petit calendrier, là, comme ça, où, en fait, j'ai les jours de la semaine, et puis je déplace. Avant, j'avais des post-it. Et du coup, je suis là, OK, bah, le corps mashup, il est obligé d'être une fois par mois, sinon c'est le bordel, parce que les gens, ils n'ont pas assez de temps. Puis du coup, je suis là, bah, celui-là, il est trop long, j'ai pas le temps de l'éditer, donc je change mes trucs un peu comme ça, en fonction. Et après, c'est TP, il faut pas que je la sorte 2 mois après non plus, donc voilà. Ça, c'est un peu ce avec quoi je travaille, mais je sais qu'il y a des gens... Lovely-Laure, elle a justement fait son truc, et puis elle, c'est vite fait, écrit à la main dans un truc avec plein de couleurs et tout. Puis moi, si j'ai pas ça, je suis foutue. Hein. Donc voilà, c'est la façon de travailler de chaque personne. Vous pouvez aller à la suite. Après, ben voilà, je voulais montrer mon matériel. Donc en ce moment, quand je vlog, ben, ça, c'était ici d'ailleurs, à l'anniversaire d'Anaïs, il y a 2 ans. C'était la seule où on va manger demain. J'ai mon petit gimbal que vous avez vu là tout à l'heure, je pense. Avec mon téléphone, j'ai fait en sorte, maintenant j'ai même fait ma coque pour que quand je mets le truc au milieu, ça fait encore la pub, Fluffy Garage YouTube, je vais jusque là. Et puis je fais tout le montage quasi de mes vidéos sur mon téléphone. J'ai un programme qui s'appelle LumaFusion et c'est magique. Du coup, si vous voulez que je vous parle plus de ça, c'est bien, je peux le faire. Sinon, je fais principalement Action Lolita et Normie avec Premiere Pro, parce que c'est quand même plus pratique. Puis j'ai commencé avec un truc gratuit qui s'appelle Shotcut et mon premier iPhone 6. Alors, je peux juste expliquer. Oui. Shotcut, c'est génial quand ouais. Vous commencez. Ça plante hyper... tout le temps, mais c'est pas mal. Pas moi. C'est vrai. Alors moi, c'est planté tout le temps. Sauvez votre travail, mais comme pour tout. Hein. Non, bon, sauvez okay, tout le temps. J'ai 32 gigas de RAM. Ok. Ok. Mais, Shotcut, c'est si vous avez un bon ordinateur et que vous voulez faire du montage, c'est intuitif, c'est bien. C'est un peu comme le iMovie, c'est mieux que Windows Movie Maker. Ouais, ouais, tu peux quasi faire tout, la même chose que sur les autres trucs. Mais, c'est assez similaire à Premiere et c'est gratuit. Oui, c'est ça. Suivant.
Du coup, ça c'est mon studio. Donc avant, c'était notre home office. Ensuite, j'avais un local avec ma première marque et puis celle-ci, puis Fluffitory. Et j'ai déménagé de 62 mètres carrés dans cette pièce minuscule qui était déjà installée. Donc, j'ose pas vous imaginer le bordel des trucs jusqu'au plafond. Et un jour, j'ai décidé que je voulais... Ah, puis je fais même mes vidéos là-dedans où je mettais un mur et tout. Et du coup, un jour, j'ai décidé que je voulais un plus grand studio. Et j'ai dit à mon copain que je voulais faire ça dans la cave, vider la cave. Il a dit non, on va vider ça. Et du coup, ça m'a pris un an de tout vider et de créer ce magnifique studio. Et maintenant, voilà, j'ai ma garde-robe Lolita et mon truc tout beau là. Mais ça, c'est parce que mon copain, il est super supportif de tout ce que je fais et ça aide beaucoup. Puis là, du coup, bah, voilà, j'ai ces deux softbox. J'ai plus ma ring light parce que je l'ai emmenée au Selfie Village. Puis mon truc, et ça, j'ai pas vraiment changé depuis le début. J'ai acheté cet appareil photo, le micro assez rapidement. Si vous achetez un appareil photo comme ça, le micro est pourri. Vous allez devoir investir, comme Lynn, comme moi, dans un autre micro. Donc, sachez, le mien, c'est encore 250 balles en plus. Donc, ouais. Et le téléphone, en fait, c'est très bien, pour commencer en tout cas. Et puis, première pour, voilà. Et puis voilà, quand il n'y a pas le truc, vous pouvez passer encore à la suite. Et puis, quand on fait dehors, on a encore la perche, du coup, une petite perche avec ce même micro. Mon copain, il utilise ses écouteurs et puis il enregistre dans un petit Zoom, machin. Zoom, voilà. Mais ça, c'est vraiment quand on fait Action Lolita ou un truc où on a quelqu'un externe. Toutes les autres vidéos, je ne fais qu'avec ça. Et puis, quand je suis en voyage, je fais que tout avec ça. Et en fait, les gens me disent, file là, à Novartis, le truc de Pharma, ils m'ont dit, surtout, filmez pas avec un iPhone, machin. Puis je leur ai envoyé une vidéo que j'ai fait avec mon iPhone, avec mon petit trépied à 100 €. Et je leur ai dit, regardez, c'est tout beau. Et puis après, je leur ai montré la vidéo que j'ai filmée avec mon super Canon, où j'avais pas de trépied, parce que alors, le stabilisateur d'un truc comme ça, c'est vraiment cher. Du coup, on marchait, on montait les escaliers à la TPAP, machin, puis c'était super moche, j'étais là. En fait, vous voyez pas la différence de l'image, vous voyez juste qu'est-ce qui est beau et bien stabilisé, en fait. Du coup, que ça soit iPhone ou pas, ça a pas de différence de nos jours, hein, franchement. Ça, c'était mes toutes premières vidéos, j'avais deux mannequins, et puis regardez bébé Joël. Et puis j'avais un petit fond avec vite fait des trucs Fluffitory, tout se casser la gueule, ça ressemble à rien. Il y a des stickers, ils sont même pas droits. J'essayais de faire la pub. Après j'ai eu ce petit, c'était juste en drap, mais du coup j'avais ma garde-robe derrière et du coup je devais aller avec un velcro mettre ça suspendu. Et donc maintenant j'ai passé à ça. Et puis de l'autre côté encore, j'ai maintenant sur ma garde-robe, c'est ce mur de fleurs. Et en fait, j'ai accroché, suspendu des murs de fleurs qui sont exactement la taille de mon armoire. Et je peux ouvrir l'armoire et tout. Parce que avant, quand j'avais oublié un truc, c'était vraiment chiant parce que je devais tout retourner, tout enlever. Donc là, c'est vraiment parfait. Voilà. Sinon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Action Lolita ou de Lolita versus Normie. Donc ça, je fais à fond la pub. Action Lolita, on a décidé d'essayer des sports extrêmes en Lolita. Du coup, on fait de l'acrobranche, on fait du pole dance, on fait le tout dernier épisode qui sort du coup la semaine prochaine. Ça va être du cirque. Et ça, on a filmé entre 2018 et 2019 et ça prend tellement long à monter que voilà, ça sort maintenant. Des petits sketchs qu'on a scriptés du coup. Et en fait, j'ai tourné la vision de les moldus qui nous voient dans la rue et qui réagissent et qui nous font des remarques stupides à, en fait, j'ai inversé le rôle avec les Lolitas. Et du coup, là, il y a deux moldus, en général, dans nos trucs, ou une. Et c'est des Lolitas qui les mettent dans toutes exactement les mêmes situations que ce qu'on fait, nous. Et du coup, là, on sort encore un nouvel épisode. Et ça, c'est vraiment le projet qui me plaît. Et ça me donne envie même de vouloir aller étudier le cinéma aux États-Unis parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs vraiment plus cool que juste regardez ce que j'ai acheté. Et malheureusement, les gens, ils veulent voir ce que vous avez acheté. Je fais Lolita versus Normie, je fais même pas 500 vues. Et puis, je montre ce que j'ai acheté sur Taobao et je fais 2000 vues. Et ça me déprime un peu, mais c'est ça la réalité de YouTube. Donc, il faut faire un peu des deux. On pourra rediscuter après, mais... Voilà, on va faire ça comme ça. Et après, j'ai encore 2000 autres slides. Mais en gros, faites ce qui vous plaît, mais faites aussi ce qui marche, parce que sinon, vous allez être vraiment déprimé de faire 12 vues. Et j'ai vu que j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne en français. Je pense que ça, je vais la mettre sur ma chaîne en français. Mais de créer du contenu sur une chaîne en plus que l'autre, non. Du coup, voilà, il faut avoir des projets qui vous passionnent, et trouver ce qui vous plaît, et puis après, faites quand même documenter ce que vous voulez.
ce que vous faites, bah là, voilà, ce serait une vidéo facile hein, de publier juste ce genre de truc. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de faire YouTube. Et puis, allez rejoindre Yumi et puis Lynn. Et puis, faites une super grosse communauté francophone de YouTubeuses. Un groupe Facebook francophone pour les youtubeurs. Et même si tu postes pas souvent, le fait que tu sois dedans, que tu puisses donner des conseils, ce serait hyper motivant. Parce qu'il y a d'autres Françaises et puis il y a aussi des Québécoises qui font aussi en anglais. Je trouve plus son nom maintenant. Mais il n'y a pas que moi et Yumi, hein. Il y a d'autres. Oui, guide intergalactique. C'est parce qu'on en a parlé et qu'on a envie de cette émulation, d'en discuter à plusieurs pour faire du contenu. C'est pour ça en fait que j'ai fait j'ai voulu faire la chaîne Lolita Fashion History Channel, j'ai voulu la faire en anglais. Ouais. Et alors déjà j'avais la flemme. Et ensuite je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus à l'aise en français déjà, mais également qu'il y a énormément de vidéos sur le Lolita, sur la mode Lolita en anglais, sur ce que c'est. Et je me suis dit, mais il n'y en a pas en français, en fait. Il n'y en a pas en français. Et les Français, il faut le dire, sur l'apprentissage de l'anglais, on n'est pas forcément très bon et on va avoir plus facilement, notamment des petits jeunes qui vont arriver, des petits et des petites jeunes qui vont arriver dans la communauté et qui ne parlent pas anglais. Moi, les vidéos que j'ai le plus de vues, c'est comment débuter dans Lolita, qu'est-ce que c'est le kawaii et le vocabulaire de Lolita. C'est les trois vidéos que j'ai le plus de vues. Parce que c'est celle où c'est du contenu explicatif, d'introduction, et puis je pense, bon après, quand tu mets comment sur YouTube, t'as plein de vidéos qui pop, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout Lolita, qui les regardaient pour le fun. Mmh. Mais quand j'ai lancé la chaîne, j'ai été surprise parce que je pensais qu'en lançant une chaîne, ça allait pas être énorme. Et en fait, j'ai eu énormément de retours et de vues dans les premiers jours. Je pense que j'ai fait 500 vues juste sur ma vidéo de présentation, j'ai rien compris en fait. Mais parce que t'as déjà une espèce de communauté derrière, t'es déjà connue et ça aide aussi. Si vous avez pas du tout... je sais pas, en fait ça sert à rien que je parle de micro. Si vous avez pas du tout Insta et que vous venez jamais aux events et que vous êtes tout seul dans votre campagne avec votre chien, comme on a dit, de commencer sur YouTube, ça va être 1000 fois plus dur que... Toi, qui tout le monde sait que tu as quelque chose à dire, tout le monde attendait ça parce qu'on savait que tu connaissais tellement l'histoire de tout et que tu étais presque une autorité dans ce genre de truc et tout. Si moi je commence à vous raconter l'histoire du Lolita, ça va pas faire le même poids parce que j'ai pas la réputation que c'est ça mon créneau. Et du coup, c'était pas ce que je souhaitais après, mais c'était juste pour les nouvelles venues dans la communauté. Je pensais qu'une chaîne en français, n'existe pas et c'était important en fait. Et j'ai eu énormément de retours et de « c'est quand la suite ?» Je ne sais pas quand la suite. Mais tu pourrais... Parce que, petit spoiler, je suis en train de lancer le Lolita Fashion Cinematic Universe. Ok. Voilà. Sur les styles et l'évolution du Lolita dans le temps. Mais après, je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent, qui ont peut-être envie de monter juste une fois une vidéo et qui se disent, bah, je ne vais pas créer une chaîne juste pour une fois une vidéo. Et je pense après, tu peux la mettre sur Instagram, hein, par exemple. Oui, maintenant il y a Instagram et tout. Après, c'est quand même du boulot, hein, le montage. C'est du boulot. Moi, je me rends compte que c'est quand même ça. Filmer, c'est plutôt facile. Filmer, c'est plus facile à deux. C'est pas pour rien qu'on le faisait avec Cali parce que c'était beaucoup plus drôle pour nous de rigoler, de raconter nos conneries devant une caméra. Quand t'es tout seul, c'est déjà plus dur. Moi, ce que tu fais, j'ai eu filmé des vidéos que je n'ai jamais postées parce qu'au final, quand je me voyais, je n'aimais pas le rendu. Parce que j'étais seule et je trouvais que l'interaction était molle, que les phrases avaient peu de sens. Et j'ai deux vidéos comme ça que je n'ai jamais postées parce que c'est inregardable, c'est pas drôle, c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas assez d'échanges. C'est oui. Non mais c'est la bêtise. Parce qu'il y a toutes les bêtises que vous avez dit sur la longueur de vos baguettes et la quantité de vos pouvoirs. Parce que ça, celles-là, elles sont pas mal. Mais ça, comme elle dit, c'est fun à monter, c'est facile à faire. Parce que tu sors de l'event, t'es motivé, t'es content, tu vois tes potes en vidéo, t'as envie de te faire. Moi, je me fais un souvenir. D'où le truc de monter sur votre téléphone dans votre trajet retour. Et moi je le faisais pas et je pense que je vais m'y mettre parce que c'est plus facile que
que d'attendre d'être devant l'ordi, de tout charger, et c'est plus spontané. Mais moi j'ai commencé à faire ça parce qu'en fait je suis toujours en vadrouille, après pas trop pendant le Covid, mais j'avais besoin d'avoir un moyen, j'allais pas être dans le train avec mon ordinateur et tout, et puis du coup quand je suis à mon bureau j'ai autre chose à faire, des trucs voilà, et je me suis dit il faut que je fasse un chemin, et c'était... Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi je me trouve plus drôle et plus intéressante en français quand je fais des vidéos en français, parce que c'est plus spontané, parce que c'est ma langue et tout, et du coup maintenant j'ai beaucoup plus l'habitude en anglais et j'arrive à être plus spontanée en anglais. Mais c'est vrai que aussi quand on est deux, justement là maintenant j'avais un stagiaire avec Fluffy Tori qui venait passer du temps chez moi, quand on faisait des vidéos ensemble, et on se marre bien, et du coup c'est plus cool parce qu'il y a cette dynamique entre deux personnes et c'est pas juste moi qui vous parle, et voilà. C'est beaucoup plus ça. Mais le coup de faire des vidéos en anglais, une fois je me suis dit, vas-y, je fais une coup je fais la phrase en français, un coup je fais la phrase en anglais, en pensant, si je faisais, quitte à faire des phrases beaucoup plus courtes en anglais, quitte à pas donner toute la subtilité, mais donner le côté efficace, j'ai tenu les 5 premières minutes, et après j'ai complètement oublié de parler en anglais, j'ai parlé qu'en français. C'est trop... Enfin, ça te fait beaucoup de...